Bonjour tout le monde, c'est Séverine, vertigedemavie.com, les solutions à vos angoisses. J'espère que vous allez bien. En fait, j'ai reçu plusieurs questions et j'en ai sélectionné quelques-unes. Tout d'abord, au fait, on me pose la question, comment cesser d'avoir des pensées négatives? C'est un long travail. Non, tout simplement, c'est difficile de vous dire comme ça en 2 secondes parce que des pensées négatives, on en a tous. Des pensées, tout simplement. Je crois qu'on a plus de 60 000 pensées par jour et plus de 40 000 négatives. Donc vous imaginez la somme de pensées que ça fait en une journée. Comment arriver à stopper cette espèce de croyance de nouveau qu'on n'est pas capable de faire ça, qu'on n'y arrivera jamais, que c'est compliqué, je ne peux pas aller à plus de 10 km de chez moi sans faire une crise d'angoisse, etc. Pourquoi tout le temps mettre cet accent là-dessus sur j'y arriverai pas, enfin vraiment être convaincu finalement qu'on n'y arrive pas. Ben, en fait, tout ça, c'est le pouvoir de votre subconscient. Une fois de plus, vous savez, tout le monde est capable de plein de choses. Comment vous expliquer que des personnes qui sont comme on appelle, en mobilité réduite ou qui sont des personnes, mais dans un état physique qui est bien dramatique, arrivent avec rien à faire des choses incroyables? Mais en fait, c'est exactement ça le truc, c'est que c'est que une question de pensée. Alors c'est facile de lire les livres, c'est facile de se renseigner, de voir des vidéos, d'écouter, enfin voilà, tant qu'on passe pas à l'action, tant qu'on n'essaye pas de faire quelque chose de différent, on reste dans notre zone de confort, inconfortable. Moi, j'encourage tout le monde à faire des exercices. Et surtout à se dépasser parce que derrière la peur, il y a quelque chose, je peux vous assurer, je l'ai vécu, donc je sais de quoi je parle. C'est pour ça que j'accompagne au fait beaucoup de gens. Au fait, les résultats, ils sont pas loin. Il faut arriver à cesser ce dialogue intérieur qui est mauvais. On n'est pas aidé de nos jours parce que on est constamment sollicité d'informations toxiques. Les médias, la crise, le chômage, la guerre, le terrorisme, les choses vraiment, vraiment pas drôles qui nous plombent. Et qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on écoute, on enregistre, et puis c'est des choses qui restent dans notre cerveau. Ça ne nous aide pas. Alors coupez ces relations toxiques, s'il vous plaît, et concentrez-vous sur ce qui vous fait du bien. C'est pas compliqué. Un repas. Faire plaisir à vos enfants, je sais pas moi, construire quelque chose, bricoler, faire au jardin, planter des graines pour la saison d'après, je sais pas moi, il y a tellement de choses, on est tous différents, on a tous des passions différentes, mais allez retrouver ces passions-là pour que le temps que vous faites cette activité, que vous ne soyez plus dans cet état d'esprit négatif. Voilà, c'est ça. Moi, c'est le sport, je m'y remets. C'est la danse toujours. Enfin, danser, je danse beaucoup chez moi aussi, avec des amis, mais disons que j'essaye de trouver des choses qui sont propres à moi, à mon parcours, pour m'évacuer, évacuer tout ce stress. La vie, quoi qu'on en fasse, elle passe. Donc, à vous de choisir ce qui est bon pour vous. Et voilà. Et donc, partagez cette vidéo, essayez d'aller réfléchir à ce qui vous fait plaisir. Il n'y a pas besoin que ce soit des énormes choses, il n'y a pas besoin de gravir la montagne en face de vous. Allez-y, petit pas par petit pas, mais faites quelque chose de différent. Je vous embrasse. Si vous voulez me suivre, inscrivez-vous à ma newsletter sur mon site vertigedemavie.com. Vous recevrez d'ailleurs, plein de vidéos exclusives, des conseils, et puis voilà, moi je continue mon parcours, j'aide un maximum de personnes, j'apporte mon accompagnement, parce que voilà, j'ai envie de vous aider, j'ai envie que vous passiez à la vitesse supérieure, le monde est en train de se réveiller,
Maintenant, il n'y a plus de temps à perdre. Il faut aller au bout de ce que vous avez vraiment envie de faire et puis arrêter d'avoir peur de ces symptômes qui sont finalement que des symptômes. Donc, je vous embrasse. Un sacré programme vous attend. Et puis, voilà, n'hésitez pas à me contacter, vertigedemavie@gmail.com ou sur mon site. Vous aurez plein d'informations sur ce que je propose. Je vous embrasse et je vous souhaite une super belle journée. Salut!